Votre énergie va là où va votre attention. L'intention est la direction et l'émotion est l'énergie. Associez les deux et vos pensées auront des conséquences telles qu'elles créent la réalité. Comprendre comment reprogrammer son cerveau et pénétrer dans le siège de son subconscient équivaut à hacker un ordinateur et à installer n'importe quel programme à l'intérieur. Voyez votre corps comme une machine biologique composée de deux parties distinctes, votre partie consciente et votre partie inconsciente. Des études neuroscientifiques ont démontré qu'en moyenne, à l'âge de 35 ans, l'esprit conscient ne représente que 5% de qui vous êtes. Les 95% restants sont un ensemble d'états programmés dans le subconscient. Votre esprit conscient représente en soi votre logique, votre raisonnement quotidien et votre créativité. Quant à votre esprit inconscient, c'est celui dans lequel sont ancrées vos compétences, vos habitudes, vos réactions émotionnelles, vos comportements profondément ancrés, vos sentiments routiniers, vos croyances et votre perception de la réalité, soit votre paradigme. Pour faire simple, comparez votre corps à un ordinateur. Votre partie consciente est la souris et le clavier, et la partie inconsciente est l'ensemble des logiciels installés sur l'ordinateur qui dirige et régule son fonctionnement, le protège des virus, le rend rapide ou lent, etc. Donc en soi, notre partie subconsciente est celle qui a le plein pouvoir sur notre corps. Mais comme avec l'ordinateur, celui qui possède la souris et le clavier peut installer de nouveaux logiciels comme des antivirus, apprendre à hacker Internet, installer de nouveaux logiciels et améliorer les programmes. Pour ce faire, celui-ci doit apprendre à se servir de l'ordinateur. Eh bien, pour le corps humain, cela fonctionne de la même manière. Via votre partie consciente, qui représente la souris et le clavier de l'ordinateur, vous pouvez apprendre à pénétrer dans la partie inconsciente de votre corps afin de reprogrammer vos schémas inconscients. Prenons l'exemple de l'hypnose. Pour hypnotiser quelqu'un, il faut que cette personne soit suggestible. Regardons attentivement l'image suivante à l'écran. Sur celle-ci, on voit que le corps est géré par l'esprit. Cet esprit est divisé en deux parties, soit la partie consciente et la partie inconsciente. Ces deux parties sont séparées par ce qu'on appelle l'esprit analytique. C'est en soi la barrière entre votre partie consciente et votre partie inconsciente. Pour la comparaison, c'est comme si vous aviez l'habitude de naviguer sur Internet, mais que maintenant, vous vous apprêtiez à plonger à l'intérieur de l'algorithme qui programme Internet. Lorsqu'on parvient à pénétrer dans la partie subconsciente de l'esprit, en franchissant la barrière de l'esprit analytique, on accède au système de contrôle du corps, à tous les ensembles d'états programmés, aux automatismes de régulation du corps tels que les battements cardiaques, les réactions émotionnelles, les croyances, les habitudes, la perception, etc. Revenons-en donc à l'hypnose et son fonctionnement. Pour hypnotiser une personne, l'hypnotiseur doit donc parvenir à franchir la barrière de l'esprit analytique pour parler directement avec l'esprit inconscient du corps. L'esprit analytique est votre partie consciente qui analyse tout en permanence, qui raisonne et qui se questionne. Il faut donc endormir cette partie analytique et faire en sorte que l'individu ne se pose plus de questions. C'est pour cela que plusieurs exercices sont mis en place, comme la pendule devant les yeux du patient, afin que celui-ci soit hypnotisé, et donc qu'en soi il arrête d'analyser. Une fois que la personne n'analyse plus l'environnement autour d'elle, elle devient suggestible. À partir de ce moment-là, le patient qui aura endormi sa partie analytique sera à l'écoute de l'hypnotiseur, c'est-à-dire que sa partie inconsciente obéira aux ordres de l'hypnotiseur comme si c'était les siens. C'est ainsi que l'hypnotiseur peut parvenir à ordonner au corps qu'à partir de maintenant, la personne sera à l'aise à l'idée de parler à l'oral, ou que celle-ci ne soit plus jalouse, et même parvenir à faire des miracles, tels que la guérison. Mais maintenant que vous avez compris le principe, l'hypnotiseur sera vous-même, avec vous-même. Vous pouvez tout à fait parler vous-même avec votre partie inconsciente, et c'est d'ailleurs ce que l'on fait en permanence. Mais cette fois-ci, nous allons voir comment le faire consciemment, afin de reprogrammer notre subconscient pour guérir. Alors je tiens à préciser que certaines maladies peuvent être dues à l'environnement extérieur ou à des accidents. Mais il y en a également énormément qui sont dues à une partie inconsciente de nous-mêmes. Dans tous les cas, apprendre à reformater sa partie inconsciente dans le bon sens
ne peut qu'améliorer les choses. Beaucoup d'études scientifiques ont été faites à ce sujet, notamment l'effet placebo, qui a montré que l'effet placebo est dû au fait d'envisager une possibilité de guérison potentielle, ce qui pousse le patient à adopter une nouvelle croyance profonde qui reprogramme ainsi sa partie inconsciente et pousse celle-ci à activer de nouveaux gènes, comme la régénération cellulaire et l'augmentation du système immunitaire. Une autre étude issue du livre « Devenir superconscient » du Dr. Joe Dispenza a prouvé que lorsqu'un individu ressent des émotions supérieures telles que l'amour, la joie et la gratitude, ne serait-ce que 10 minutes par jour, il augmente son taux d'immunoglobuline A de 49,5%, qui est un anticorps surpuissant, responsable des défenses immunitaires. Et de plus, cela diminue de 16,25% le taux de cortisol, soit l'hormone du stress. Les émotions ont un réel impact sur la biologie du corps, puisqu'elles sont le fruit de la pensée. Par exemple, une expérience très intense issue de notre réalité externe s'imprimera dans les circuits cérébraux et marquera le corps sur le plan émotionnel. En conséquence, le cerveau et le corps vivent dans le passé, et l'événement affecte notre état d'être, ainsi que notre perception de la réalité, et nous ne sommes plus la même personne. Dans le livre « Le placebo, c'est vous » du Dr. Joe Dispenza, celui-ci explique qu'il y a eu de nombreuses situations et sujets d'études, qui ont par exemple montré que certaines personnes ont perdu la vue après avoir vu quelque chose de traumatisant. Ce qu'il s'est passé, c'est que ces personnes ont vu des choses atroces durant des périodes de guerre, comme l'exécution de leurs proches. Et suite à cet événement horrible, leurs corps n'ont plus voulu voir. Après l'analyse, leurs yeux étaient en parfait état ou très corrects, mais les individus en question ne voyaient tout de même pas. Ce qu'il s'est passé biologiquement, c'est que la forte réaction émotionnelle due à cette vision d'un événement horrible a clairement donné l'information au corps qu'elle ne voulait plus voir, reprogrammant ainsi leur partie inconsciente de cette façon. Dans d'autres pays, il y a également le cas de certaines tribus capables de marcher sur le feu sans avoir de brûlure, ou même de manger du verre sans en être impacté biologiquement. Le point commun qu'ont toutes ces tribus, c'est qu'ils ne se posent pas la question de si le feu va les brûler ou non. Ils n'ont aucun doute sur le fait que celui-ci ne les affectera pas. Par la pensée, ils semblent activer des gènes qui surpassent la compréhension scientifique moderne du corps humain. Les scientifiques qualifient que sur les 100% de notre ADN, 98,5% est de l'ADN poubelle, soit qu'il ne semble pas répondre à un but précis. Pourtant, il semble évident que la nature n'aurait pas disposé toute cette information codée dans nos cellules, en attente d'être lue, sans nous donner la possibilité de créer un certain type de signal nous permettant de la déverrouiller, puisqu'après tout, rien ne se perd. Se pourrait-il que notre propre énergie et notre propre conscience soient justement ceux qui permettent de créer le type de signal le plus approprié en dehors des cellules pour nous permettre de puiser dans ce vaste bassin de potentialité? Il faut savoir que, de manière générale, nos cellules reçoivent des instructions chimiques de l'intérieur et qu'elles adaptent notre corps en conséquence. Par exemple, comme nous l'avons vu précédemment, un fort événement extérieur peut s'inscrire neurologiquement dans le cerveau, engendrant une forte émotion qui s'inscrit dans notre corps et modifiant ainsi notre biologie. Maintenant, comprenons que nous pouvons faire cela sans besoin d'attendre l'arrivée d'un quelconque événement extérieur. Par la simple pensée, nous pouvons tout imaginer et ressentir. Comme nous l'avons vu, un hypnotiseur peut pénétrer dans le siège de votre subconscient. Mais ça, vous pouvez apprendre à le faire vous-même, en méditant. La méditation est une pratique qui consiste simplement à se concentrer sur soi-même. Vous n'êtes pas obligé d'adopter la position du lotus. Vous pouvez la pratiquer allongée, assis, mais l'objectif est simplement de plonger à l'intérieur de soi-même, en lâchant prise sur l'environnement extérieur. En fait, le but de la méditation, c'est que votre environnement intérieur soit plus réel que votre environnement extérieur. Par exemple, vous pouvez un soir vous allonger dans votre lit, puis simplement lâcher prise sur tout. C'est-à-dire que mentalement, détendez-vous, lâchez prise et ne pensez plus à rien. En quelque sorte, vous lâchez prise sur la personne que vous pensez être, sur vos croyances, sur votre perception de la vie, sur ce que vous avez à faire demain, en bref, vous lâchez prise sur tout. Au bout de 15 à 30 minutes,
vous allez être pleinement détendu et votre attention sera pleinement tournée sur votre monde intérieur. Lorsque c'est le cas, c'est-à-dire que vous avez franchi la barrière de l'esprit analytique. En soi, vous vous êtes auto-hypnotisé et votre conscience se trouve donc dans votre partie inconsciente. Et c'est maintenant que vous pouvez procéder à des changements, car vous avez franchi la barrière de l'esprit analytique, donc votre inconscient vous écoutera, puisque votre conscience est parvenue à pénétrer là où il réside. Et souvenez-vous, l'énergie va là où va votre attention. Si toute votre attention s'est détachée de votre monde extérieur, c'est-à-dire qu'elle est tournée vers votre monde intérieur, soit que toute votre énergie est à votre disposition pour créer des changements dans votre réalité intérieure. Maintenant, retenons bien ce point important que je vous conseille de noter. En lisant et en pratiquant, il y a effectivement deux critères indispensables pour manifester un changement. Et ces deux critères sont l'intention forte et l'émotion supérieure. Votre intention, ça va être la pensée qui donne l'instruction, comme par exemple « J'aime parler à l'oral, je guéris, je suis en bonne santé, je suis riche, je suis confiant ou je réussis tout. » Ensuite, l'émotion forte va être l'énergie qui va porter votre intention. C'est l'énergie qui va contenir et alimenter cette information pour qu'elle se concrétise. Donc plus votre émotion est forte lorsque vous émettez votre intention, plus vous créez d'énergie pour manifester votre pensée. C'est vraiment la combinaison des deux qui manifeste un changement. Voici un exemple. Aujourd'hui, j'ai pris la ferme décision que désormais, je voulais réussir et que j'allais parvenir à effectuer ce changement dans ma vie. Un soir, je me mets donc à méditer en m'allongeant sur mon lit. Au bout de 30 minutes, je me retrouve donc dans cet état de paix intérieure, entièrement détaché du monde extérieur. Je suis juste conscient et c'est agréable. Dans cet état méditatif ou d'auto-hypnose, j'émets donc l'intention suivante. Je suis quelqu'un qui réussit tout. Et en même temps que j'ai émis cette pensée, je ressens une émotion immense de gratitude, comme si je venais de libérer ma pensée et que celle-ci était déjà réalisée. Je lâche prise sur celle-ci en ressentant déjà l'émotion qu'elle s'est réalisée, et ça y est, c'est fait. Quotidiennement, je replonge dans cette émotion en la vivant intérieurement, persuadé que celle-ci s'est déjà réalisée, ce qui est réellement le cas. En fait, comme lorsqu'on prie ou demande un miracle, on émet une intention si claire avec une telle émotion de gratitude en lâchant prise sur celle-ci qu'elle se concrétise réellement. Car vous ne vous posez pas la question de si oui ou non elle va se réaliser. Vous êtes persuadé que celle-ci est déjà réalisée, comme si votre souhait avait déjà été entendu. Et que maintenant, il fallait laisser les choses se mettre en place dans la réalité, sous forme de synchronicité, pour que votre désir se manifeste. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, et changer votre vie dès maintenant. Je vous ai mis en place une formation gratuite à ce sujet. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sans oublier le petit pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.